Dès que tu as ta main, il faut démarrer. Normalement, pour prendre un poisson de nuit, il y a un sandwich de chat. Je dis à Théo, pour pas qu'il y ait d'empoisonnement, il y a un sandwich de chat. C'est bon, ça y est, c'est parti. Il me faut le fil, Théo. Il faut que je charge mon portable. Tu as le fil? Ouais. Théo. Quelle vie. Bonjour, il y a très peu de signaleurs durant le fictif, donc maintenez une vitesse faible. Ouais. Le départ vient d'être donné de Miramas et nous rejoindrons l'arrivée à La Ciotat après. C'est ça parce qu'hier il allait trop vite. On a fait le fictif de. Alors fais-moi passer, mais tu le feras passer après. Je dois donner pour moi prendre ici, Théo. Tu dois sortir du coffre des flèches. Et je te prépare des invitations pour donner au maire de Soucé. Des invitations et des flèches. C'est les flèches qui les prendront dans le coffre quand on s'arrêtera. Dans une petite heure. Il y a du monde, hein. Hier pareil, et demain la folie. Demain la folie. Au VAR pareil, pour du VAR, c'est pire. L'année prochaine, vous êtes coincés, vous ne pouvez pas rassembler les deux, puisque c'est 4 verres. Ah mais non. Voilà. L'année d'après. Voilà, la suite, il faut le faire. T'as vu qu'on a discuté hier. Le leader de l'époque après la première étape, Justin Jules de WB, Verancassi Kakwaliti Protect. Maillot bleu, Mais Stéphane, il n'est pas impressionné parce que lui, il est toujours sur le tour et tout. Donc le maillot par point, maillot vert. Tu vas voir le service d'ordre. Il est porté par Lorenzo Manzo. C'est pas à Maxime Way de Fortuné.
Théo, Charles Concept. Le classement général par équipe, BNC Racing Team. Ah ben voilà, il est ça. Voilà. Théo. Amore Vita, Amore Vita au peloton, le 164 Amore Vita. Voilà. Là, t'as l'autre verre. Hein? Pourquoi? Et on s'est pas trompé, hein? Il y avait les flèches là? Ah ouais. Il faut qu'on porte. Hein? Je me souviens plus hein, de là. T'es sûr qu'il y avait des flèches? Ah oui, il y a des flèches, il y a des signatures, regarde. Tout le monde est là. Ah bah oui, oui, je suis con. Je me souviens plus. Hein. Et ici, ils nous ont fait changer trois fois le village. Hein. C'est un truc de fou ici. Où on y ramasse? Ouais, oh là, voilà la bonne heure. Ouais. Et l'histoire de la caravane, c'est une très très bonne chose. Ouais, mais le problème, tu sais, moi je la voulais pas. C'est... Ah ouais. Ouais. Je ne la voulais pas, la province m'a exigé. Et on a fait un impair, c'est que j'ai pas visé la garde. On n'a pas de garde de la garde pour l'encadrer. Ils n'ont pas voulu me détacher de garde. Donc l'année prochaine, il faut que j'anticipe et que je mette. Parce que Thomas, c'est... Mais Serge, ça te rapporte du monde. Il y a des jeunes qui viennent aussi que pour les gadgets, pour ces temps-là, au départ. C'est sûr, mais tu sais... C'est lourd, hein. Oui, il te faut du moins d'un plus. C'est bon. Je te dirais quelque chose aussi, non, Serge. On va partir en bas. Ouais. Tu sais, sur la circulation, les bénévoles que vous avez. Apparemment, la province, ils ont eu la folie déjà. Tu fais chier, Steve. Oui, tu vois. Pour les dégâts, ouais. Dans la circulation, ouais. Il est payé 40 euros. Oui, je sais. C'est, on a 50 000 euros de signaleur. Écoutez, mais pourquoi vous appelez pas des associations? Parce que c'est la province, hein, c'est pas moi. Et ils ont pris une boîte privée, et tout est payant. Parce que moi, je prends le cas des billets. Eh oui, non, mais moi, je ne paye jamais. Ici, c'est tout gratuit. Aïs, c'est tout gratuit, mais c'est Marseille. Hein. Marseille, tu ne trouves personne gratuitement. Personne. On va lui faire chier toi comme dit ça. Avec la scotch elle est à côté. Je n'ai pas. Mais là, tu prends la même scotch, tu mets à côté. Et où, tu prends la même scotch, tu colles à côté.